Et bonjour tout le monde, c'est Oxymose et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, Usko l'alien va venir sur Terre puisque lui ne connaît pas du tout la neige et voudrait découvrir ce que ça fait, l'esprit de Noël, etc, etc. Donc les amis, regardez, je l'accueille avec les Pères Noël, avec tout ça les amis. Donc j'espère que ça va vous plaire. En plus de ça, regardez, bon, on le voit derrière moi, il y a Nils qui est en train de préparer quelque chose. Il veut d'ailleurs me montrer ce qu'il a fait. Je comprends pas très bien les amis, mais voilà. Bref les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Et oui les amis, c'est incroyable. Donc voilà, il y a aussi ma boutique de vêtements. Donc il y a 30% avec le code OXY30. C'est pas 20% avec le code OXY20, c'est, il y a, ça marche aussi, mais il y a OXY30, donc c'est mieux hein. Voilà, ça peut vous permettre de payer moins cher. Et d'ailleurs faites vite parce que là, d'ici la fin de l'année, en tout cas le début d'année prochaine, je vais refaire toute la boutique les amis. Donc let's go les amis, commandez les derniers produits sur la boutique. Par exemple, il y aura plus ces produits là, il y aura plus ces produits là, tout ce qui est là sur cette page là, il y aura plus. Enfin en fait, 80% des produits vont être enlevés, je vais en rajouter des nouveaux, mais un truc qui me correspond plus. Bref les amis, vous avez compris. Allez, du coup, on va aller voir Nils, les amis. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, franchement, là, j'ai encore pété un câble, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Nils, qu'est-ce que tu fous, purée? C'est quoi cette machine, là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non. C'est quoi, ça? Bah, c'est une machine. Bah j'ai bien remarqué que c'était une machine, purée. Mais il est... j'ai bien remarqué, tu me prends trop pour un débile, hein. Mais c'est quoi là? C'est pour... Attends, tu t'assois et... Oh là là, j'ai pas envie de voir ce que ça fait. Ouais, non. T'assieds pas dessus, c'est pas pour toi. Ah, c'est pas pour moi, d'accord. C'est une machine pour changer la voix. C'est une machine pour changer la voix, mais à quoi ça? Mais tu veux pas faire un truc bien un jour dans ta vie? Attends. Attends, regarde. Vas-y. Vas-y, okay. Hop. Active le... Attends, je viens sur la chaise. Active le levier. Ok, j'active le levier. Mais t'as pas changé de voix là? Bonjour, c'est moi Nils. Oh là, wesh Nils, mais qu'est-ce que... Attends, je rechange de voix. J'ai la voix de Sylvester Stallone. Ouais, change de voix. Oh là, je suis tombé. Ouais, vide. Quoi? C'est bon. Longue vie au roi. Mais qu'est-ce que... Mais juste, t'as troué le cerveau là Nils. Qu'est-ce que c'est? Bon, écoute-moi, cette machine-là, ça sert à rien, wesh, ça sert à rien. Bon, écoute-moi. Ouais, bah, écoute, t'as qu'à faire pareil. Hein. Mais j'ai qu'à faire pareil de quoi? Bon, j'ai qu'à faire mieux. Tu me fais une machine pour modifier les voix, t'as rien d'autre à faire de ta vie? Franchement, n'importe quoi. On s'en fiche, c'est Noël, là, fais une machine pour des canons à neige, fais des trucs comme ça. Mais ça existe déjà, ça. Ah oui, ça existe déjà, ouais, pas bête. Bon, du coup, moi, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est qu'il y a bientôt, il y a Usko qui va bientôt arriver, et ouais, je vais lui faire découvrir la neige, justement. Ouais, bah, écoute, d'accord, dinosaure, moi, je vais chez mon ami. D'accord, super. Ok, je peux utiliser la... Oh, je peux utiliser la machine pendant que t'es pas là? Tu vois, évidemment, ça sert à quelque chose, hein. Bah non, mais c'est juste au cas où. Il faut faire quoi? Explique-moi un petit peu. En fait... Là, sur le programme, là, tu choisis la voix, à peu près. D'accord. Après, il faut quelqu'un qui s'assied sur la chaise. Et après, t'as le levier. Est-ce que tu peux programmer une voix d'humain normale, s'il te plaît? Oui, c'est la voix par défaut. Bah, elle est mise ou pas, là? D'ailleurs, oui, elle est mise par défaut. D'accord, super. Bon, vas-y, Nils, tu peux y aller. Allez, Nils, on y va. Allez, hop, on s'en va. Allez, c'est bon. Allez, au revoir. Ouais, salut. Dans 2 mois. Vas-y, salut, Nils. Vas-y, bonne journée. Vas-y, bonne route. Salut Nils, bye, ciao. Salut. Pourquoi il m'a renfermé d'ailleurs? Attendez, on va rouvrir. Oh bah, quoi? Il a dit... Nils? Mais c'est un magicien. Mais attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Mais c'est un truc de fou. Bon les amis, Nils est parti. Je ne sais même pas comment il a fait d'ailleurs, mais il nous a laissé cette machine. Et j'ai une petite idée derrière la tête. Je pense que je pourrais demander à Usko de se mettre ici et de lui transformer sa voix pour que ça devienne une voix d'humain. C'est pour ça que j'ai demandé à Nils de mettre la voix par défaut, la voix d'humain. Comme ça, Usko, il va se mettre là. Je vais appuyer sur le bouton. Usko va changer de voix et on va enfin découvrir sa vraie voix d'humain. Parce que je vous rappelle que Usko est un alien. Du coup, il a une voix d'alien, il a une voix un petit peu de robot, une voix un peu métallique et tout. Donc voilà, ça serait vraiment trop cool de découvrir sa voix
vraie voix, les amis. En tout cas, sa voix, s'il était un humain. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça, mettez un gros pouce bleu. Et d'ailleurs, Usko devrait pas tarder à arriver. On s'est donné rendez-vous sur la piste d'atterrissage. Alors, je vais peut-être la dégager un petit peu au niveau de la neige. Je sais pas. Attendez, je vais prendre peut-être de l'eau. Comme ça, on va beaucoup mieux voir. Tac, voilà. Ah oui, alors, par contre, oh, j'entends un truc. Waouh! Waouh! Usko! Usko, ça va ou quoi? Bonjour, c'est moi, Usko 338. What the fuck? Usko, purée, mais dis donc, t'es arrivé un petit peu en avance là? Je sais pas, mais en tout cas, je devais dégager la piste avant que t'arrives. T'es arrivé sur la neige. Ah bah d'ailleurs, la neige. Nous avons développé un nouveau moyen de téléportation. J'ai rien compris, t'as développé un moyen de quoi? De téléportation. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu connais la téléportation? Oui, la téléportation, c'est par exemple tu vas aller sur le pont et du coup tu t'y penses ou je sais pas et après tu vas direct. Genre tu te déplaces pas comme ça. Eh, tu me prends trop pour un débile, hein. Moi aussi je sais ce que c'est la téléportation. Tu vois la grange là-bas? Oui. Okay. Je ne suis pas aveugle. Ok. Attendez les amis, c'est quoi? Mais attendez, mais Nils il s'est téléporté aussi tout à l'heure alors. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vois la grange du coup. Oh, il est là-bas! Je l'avais pas vu apparaître! Il est là-bas! Wesh! Usko, comment t'as fait? Usko? Usko, mais t'es sérieux quoi? Comment t'as fait? C'est la téléportation qu'on a développée sur Mars. Mais trop bien! Trop stylé! Eh, hey, d'ailleurs, regarde sur quoi tu marches, Usko! Oui, c'est vrai, genre, je l'avais pas remarqué, mais c'est froid. Bah oui, regarde, tu peux faire des petites couches de neige et tout. C'est de la neige, en fait, c'est ça la neige. Que tu voulais absolument voir. T'as vu, ça rend tout blanc. Est-ce que du coup c'est ça, des batailles de boules de neige? Oui, c'est ça une bataille. Arrête, j'ai pas de boules de neige. Purée, tu veux faire une bataille de boules de neige? Tu vas voir, Usko. Eh, là franchement, tu vas prendre cher. Bon, Usko, voilà, donc ça c'est ça la neige. Et regarde, en fait, ça rend le paysage tout blanc. Et comment ça marche? En fait, c'est les nuages, quand il fait froid, c'est pas de l'eau qui tombe comme de la pluie, c'est des petits bouts de glace, de la neige en fait, et du coup ça s'accumule et ça fait ça. Donc je marche sur de la glace. Bah tu marches sur de l'eau très froide, voilà. C'est à peu près ça. Vous avez une planète intéressante. Ouais, on a une planète très intéressante. Dis-moi Usko, on a une planète tellement intéressante que j'ai trouvé une machine qui pourrait bien te plaire. Vas-y, montre-le-moi. En gros, j'aimerais bien faire une expérience sur toi. J'espère que tu seras d'accord. En gros, si tu veux, toi, tu es un alien et tu as une voix d'alien. Et moi, je suis un humain et j'ai une voix d'humain. Donc, jusqu'à là, tu me suis, Usko. Et en fait, j'aimerais tester un truc, Usko, sur toi. J'aimerais savoir ce que ça fait si tu étais un humain. Quelle voix tu aurais? Et j'ai une machine qui permet de transformer les voix, tout simplement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est intéressant. C'est cette machine-là. Alors, en gros, il faut s'asseoir ou faut... Bah, tu te mets dessus, quoi. Et en fait, j'active la machine. Et du coup, ça va transformer tout de suite ta voix avec ce qui a été programmé là. Bon, je sais pas lire le... En gros, mets-toi là-dedans et j'appuie et t'auras une voix d'humain, t'inquiète. Je te laisse essayer en premier. Ah non, mais moi, j'ai déjà une voix d'humain. Ça va juste me laisser ma voix d'humain. Ah oui, c'est pas faux. Bon. Voilà. Comme ça? Oui, voilà, comme ça. Alors, t'es un petit peu bugué, peut-être enlève la chaise vu que toi t'es plus grand. Alors, enlève-toi de la chaise. Voilà. Par contre, je suis pas sûr des effets secondaires de trucs. Je sais pas comment on peut revenir en arrière. Bon, voilà, Usko. Alors, je crois que c'est bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Des effets secondaires? Bah oui, comme je viens de te dire. Je sais pas, c'est quoi, hein. C'est Nils qui m'a. Écoute, du coup, je le fais, mais à une condition. À quelle condition? Si nous aussi on développe une machine pour que tu te transformes en alien avec une voix d'alien. Une voix d'alien et moi en alien? Oh attends, je dois réfléchir Usko, je dois réfléchir. Les amis, vous entendez ça? En gros, là Usko, il accepte mon défi, enfin il accepte de se transformer sa voix en humain seulement si en échange, eh bien, je vais sur sa planète où lui il ramène une machine parce que lui il a une machine qui permettrait de transformer les humains en alien avec ma voix d'alien et tout. Genre on verrait ce que je fais si je me transforme en alien et tout. Enfin, ce serait incroyable. Bah mettez, vous savez quoi, un gros
pouce bleu les amis si vous voulez une vidéo où je me transforme en alien avec une voix d'alien, la totale les potes, la totale. Donc let's go les potes, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous rappelle les amis, abonnez-vous, c'est ultra important. Si c'est pas encore fait, c'est le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo, c'est le bouton s'abonner. Tu cliques dessus, c'est totalement gratuit et les gars, road to 1 milliard les potes, road to 1 milliard. Allez, bah let's go Usko, et c'est défi accepté, ok? Défi accepté, je ferai tout ce que tu veux. Là, je me transformerai en alien, la totale, la totale. Je tiens ma parole du coup. Tu tiens ta parole, oui, tu tiens ta parole et moi je tiens ma parole aussi. Vas-y, 3, 2, 1, let's go. Wow. Les amis, j'ai pas envie de voir ce qui s'est passé, je sors. Oh là là, purée, j'ai cru que ça lui a cassé les dents là. Usko, t'as encore toutes tes dents? Il te faut un dentier, Usko? Tu veux qu'on prenne rendez-vous chez le dentiste? Oula, je crois que je vais... Oula, je crois que j'ai fait un petit peu mal. Oh là là. Usko? Usko? Oxymose? Usko? Oxymose? Oui, oh, Usko, ta voix elle a changé. Oh, mais par contre t'as encore une voix un petit peu d'alien. Ah, c'est peut-être pas au point. Parle. Peut-être. Ah oui, c'est pas exactement au point. T'as encore une voix d'humain, mi-alien, mi-humain. Purée, c'est incroyable, ça a marché. Mais il est trop fort ce Nils, les amis, il est trop fort. Du coup, parle, dis quelque chose. Bonjour, c'est moi, Usko338. Oh là là, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre, Usko. Purée, t'as une voix qui me dit quelque chose, je ne sais pas. Bah t'as la voix d'Usko, mais t'as une autre voix, c'est vraiment bizarre. Bon, du coup, Mais de quoi tu parles? Non, je sais pas, j'ai l'impression que t'as une voix qui ressemble à quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être une imagination. Oui. Ok, mais c'est peut-être... Mais attendez, c'est peut-être que la voix de... Les amis, je crois que Nils a configuré la voix d'humain sur sa voix. Donc du coup, regardez, il a un petit... Usko, il a un petit peu la voix de Nils. Parle, Usko. J'ai la voix de Nils. Mais les amis, vous trouvez pas ça flagrant? C'est un truc de fou. Attendez, mais je crois que faudrait que je demande à Nils comment il a fait. En fait, Usko, je t'explique, c'est Nils qui a fait la machine et il a programmé plusieurs voix. Et je crois que la voix d'humain, il l'a calibrée sur sa voix à lui. Du coup, quand on met la voix d'un humain, bah ça met sa voix à lui en fait. Presque. Mais ça doit être possible en fait. Du coup, là, t'as un mix de la voix d'alien Usko, une voix un petit peu métallique, un petit peu, voilà, d'alien, avec la voix d'un humain slash Nils. Genre, c'est vraiment bizarre. Purée, c'est incroyable. Oui. En tout cas, il faut apprendre à calibrer sa machine. Ouais, bah, je pense qu'elle était pas tout à fait au point. Regarde, tu vois, il y a des voyants rouges sur la machine. Je pense que c'est ça. Purée, bon, en tout cas, c'est super drôle. Bah, tu sais quoi, tu vas rester avec cette voix un petit peu. Non! Ah, bah, si, tu vas rester avec cette voix. Tant que moi je suis pas un alien, tu restes avec cette voix, ok? Ça va être ça le deal. Et tu sais quoi, c'est bon, moi je me tire. Ah ouais. Hein? Usko? Non mais les gars, mais qu'est-ce qui se passe avec la téléportation entre Nils et non, mais... Je me suis trompé d'endroit. T'es où? Mais c'est quoi ça? Non mais vas-y, bah remets. Oh là là, Usko, t'es pas doué. Oh là là, t'es pas doué, Usko. Bon, vas-y, re-tépé-toi, re-téléporte-toi là où tu veux. Mais attends, je suis impressionné. Usko, j'allais finir ma phrase. Bon, bah Usko a redisparu les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Purée, c'était incroyable. N'oubliez pas, il y a la boutique de vêtements. Je vais ouvrir en deux spi les potes. Je vais ouvrir en deux spi les petites trucs du calendrier de l'avant. C'est vrai que je l'avais pas ouvert. Alors, on va ouvrir en deux spi, tac. Tac et tac, allez hop. Je vous rappelle que les gagnants, je les contacte, hein, voilà des cadeaux. Donc dédicace à un abonné dans la prochaine vidéo. Ok, donc les amis, n'hésitez pas à commenter. Grade VIP sur le serveur Discord, je mettrai une nouvelle personne VIP. Et Oxymos fait gagner 1720 Minecoin, vous mettez un petit commentaire. Et comme ça, limite c'est mieux que je fasse les surprises des calendriers de l'avant à la fin. Comme ça c'est pour les gens qui regardent jusqu'à la fin les vidéos les potes, let's go. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller checker la boutique de vêtements les potes. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao ciao.